Premièrement, je salue le commissaire gouvernement, M. Jacques Lafontaine, a bon droit lié le pasteur Amel, ou bien le pasteur Anel, Amel, Anel. Amel. Moi-même, je ne sais pas ça, me troublé. Je ne sais pas si c'est vrai. Pour un pasteur dans l'église, à commettre bon acte ça yo et dit bonne parole ça yo bon me quelque chose bon c'est fou il vient fou parce que pas quand on monte tête droite comme ça et puis il y a du misère petit lui moi j'ai pas compris par ça non ce pasteur c'est plus un rituel ce pasteur soit disant pasteur comment vous montez un peu pour petit tout. Moi-même, je comprends que c'était dans l'église, il fait ça. Et là encore, il est condamnable. Et ce petit qui fait ça, il est doublement condamnable. Moi, je me pose des questions. Je ne vais pas dire ça. Je me pose des questions. Mais pasteur Amel, la fête a le fait quoi que c'est droit à un pasteur pour ta faire éducation sexuelle avec Fidelo et pour montrer, pour toujours gagner des relations en cadre sexuel. Même parce que, d'après vous-même, qui sont pensés de ça? Il parle pasteur. Il dit tout pasteur. Il y a un sexologue, il y a un psychologue pour bailler ça. Ça, pasteur n'a pas ni sexologue, ni psychologue. Pasteur, ça, son pasteur fait retirer et licence, empêcher le bailler encore pour ne pas corrompre. Parce que faut un respect pour le monde. Pasteur n'a pas respecté la tête, il n'a pas respecté l'église, il n'a pas respecté le pays, il n'a pas respecté l'autorité qui est dans le pays, il n'a pas respecté personne. Même nous, fidèles, nous sommes contents par rapport avec Jean qui l'a montré. Il a dit Amen, à chaque fois, pasteur a fait. Ah, mais fidèles, ont toujours dit Amen, le pasteur a fait mal. Mais dans un premier temps, vous êtes accusé pasteur de un acte de Kadeshak. Et un peu le monde dit, pasteur, ça, c'est toujours ça, esprit sac dans la tête. Est-ce que vous pensez, via le commissaire Lafontaine, que vous êtes sanctionné sous le même cadre ça toujours? Mon cher, il y a un texte pour ça. Et si le commissaire Lafontaine n'a pas pris disposition à titre d'exemple, quand le pasteur ça, mon cher, il a fait parler le pays à mal, hein, il a fait parler l'église mal. Bon, mais écoutez, même pas, je me fais confiance avec le commissaire Lafontaine. Bon, malgré le commissaire Lafontaine. Vous faites mal à le commissaire Lafontaine, mon équipe va là, parce que, écoutez, c'est grave. Pourquoi je m'en vais comme ça? Pourquoi je m'en vais comme ça? Pourquoi je m'entendais le voir pour Nawel? Et puis, je m'attendais et je m'en gardais dans le commerce. Ce n'est pas qui grave. Ce n'est pas qui condamnable. Condamnable, condamnable. Et il ne faut pas se faire connaître tout. Il y a des gens petits, des gens en bas âge qui ont gardé comme ça. Ils ne sont pas tombés sur la zone. Non. C'est inadmissible. Et d'après vous, maître Georges, et c'est quelle sanction vous pensez que la justice a dû prendre avec le pasteur Amel Lafleur pour ça qu'il fait? Moi, je n'ai d'ailleurs sur le tuer licence, il n'y a pas de droit pour le pasteur. Je crois que c'est un très mauvais exemple pour ne pas être sanctionné. Réellement, il n'y a pas de 6 mois en prison, il y a en prison. Il dit 6 mois, il y en prison et le tuer licence, c'est la meilleure solution et pour le juger et passer à mettre l'affaire. Oh, papa, je fais à manger. Son bagage est tout le monde brûlé en moi-même. Ça, madame, ça me dit. Même petit monde. Bon, si je fais le nom de l'église, qui ça doit faire petit monde ça en de la caille? Je me pose une question, votre bagage bon. Non, on est en droit de se poser cette question. Nous avons le droit de vous poser cette question. C'est une question légitime. Donc, en tout cas, on a prêté une déclaration face à M. Lafleur et demain qui vient pour répondre à une question à la justice. Et c'est un plaisir, M. Lafleur. Merci. Bien, vous avez raison. Et on le fait encore.